Et je vais potentiellement me faire arrêter. Mais, dans le principe, tout va bien. Tant qu'ils s'en rendent compte. On aura déjà rendu tellement de services à la communauté que ça ira. Pour la bonne cause, Mera l'aubergiste m'a mis en garde contre un voleur qui vient régulièrement se servir dans le coffre de collecte du sanctuaire. Peut-être qu'en surveillant les lieux pendant la nuit, je pourrais le prendre sur le fait. Et quelle heure? 13h35. Pas du tout la nuit. Très bien. Allons au temple la nuit. On va éviter ceux qui de... sont dans ses grâces prospèrent. Toutefois, les gens forts et fiers s'attirent son mécontentement. Allez en paix, avec les conseils et la bénédiction de l'Aïria, mes enfants. Méfiez-vous. On a... Bon, maintenant que les Nariennes se sont... On va éviter de parler à la prêtresse. Hein. Potentiellement dangereux. Oui, oui. Oui, oui. Vous avez l'air brave. Vous allez vers l'Est, à Cloricon, peut-être, pour servir? J'aimerais un lit. Une chambre dans l'auberge? Vous avez de la chance. Il m'en reste une. Super, je prends. Je pense que ça vous plaira. Il n'y a pas de plus bel endroit pour reposer sa carcasse fatiguée. Ma carcasse. Bien, à bientôt. Alors, j'ai mis ça à l'étage. Ça, ma chambre? Yes. Il est 14h, la nuit, je sais pas quand est-ce que ça commence, là ça fait 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ça, 22. Oui. Ok. Ciel nocturne, même s'il y a beaucoup de lumière. Piller la boîte. Quitter. Moi je veux pas piller la boîte, hein. Je veux savoir qui la pille. Je sais pas si une personne va vraiment venir comme ça ou s'il faut que je load le bâtiment au bon moment. Ouais, ça risque de prendre un petit temps. On va essayer de sortir et re-rentrer dans le bâtiment. Sûr que c'est un peu moins RP, quoi. Mais... bon, vu que j'ai déjà eu des soucis avec des quêtes basées sur l'heure, genre un mec qui dormait jamais, on va... Je vais juste, hop, checker le nom et puis on va regarder sur internet. Pour la bonne cause. Alors. Royaume. De Malure, Cunning. Pour la bonne cause. Attendez la nuit pour retourner au sanctuaire et débusquer le voleur. Ils sont pas plus précis que la quête elle-même en fait. Oula. C'est quoi la nuit quoi? 22h? Presque 23? On va mettre minuit? Ceux qui sont dans ces grâces prospèrent. Toutefois, les gens forts et fiers. Parce que c'est vrai que là, c'est la nuit, mais pas vraiment, quoi. On est dehors, on s'en fout. Il y a un faé en liberté.
Oui, enfin en liberté, oui. Bien fait pour vos gueules. Mais là c'est pareil, il y a encore un bon genre dehors. On a repéré un faille. Non, c'est pas vrai. Un faille. Ben non, il y a personne non plus. Il y a quelqu'un là. Bonjour. Il est là. Un qui dort. Mais pas vraiment. Personne qui reste dans son lit, les yeux grands ouverts. Ça peut arriver aussi. Il est 1h21, on va pas me dire qu'1h21 c'est pas la nuit quoi. Mince à la fin. Bon, pas les horaires du jeu. En tout cas, je suis censé avoir quelqu'un à la boîte quoi. Ceux qui sont dans ces grâces prospèrent. Toutefois, les gens forts. C'est fou. J'ai l'impression qu'on change l'heure, mais ça change rien. Il y a une personne au lit de temps en temps. Mais... Avant, on était au milieu de la journée. Il y avait tout le monde qui dormait. Au début de la session. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais... Vraiment difficile de se faire une idée. Alors c'est comme si la nuit et le jour étaient parfois inversés, parfois pas. C'est bizarre. Y'a personne. Hein. Là on est vraiment au milieu de la nuit quoi. Voilà. Faire genre c'est toi ou... Vous n'auriez pas dû donner le bâton à ces misérables. À présent ils vont s'accrocher à cette ferme en ruine. Ils souillent notre terre sacrée. Oh là là, c'est pas ta terre. Oui, hélas. Impossible de trouver qui, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il doit agir à la faveur de la nuit, quand tout le monde dort. Mais personne ne dort. Jamais. C'est inconcevable. Genre, il est 3h du mat, y a personne en train de dormir. C'est abusé. Je vais faire une TP, ça va faire passer du temps en plus. Hop, je vais TP à Darus. Hop, je m'aurais TP au Havre de Tyrin. Tyrine, ce que vous voulez. Là, il est 6h52, donc le matin. C'est quasiment le même nombre de personnes. Salutations. Ça n'a aucun sens. Le mec ne dorme jamais, la prêtresse ne bouge jamais. T'es pas des quêtes où il faut attendre une heure précise, si... Vous êtes au courant? Quelqu'un vole l'argent de la collecte pour les soldats. Si la moitié des gens respectent pas ça, quoi. Se re-téléporter. J'essaie de le faire RP en plus de payer des trucs à l'auberge du coin ou de TP chez moi pour passer le temps. D'attendre dans la salle pour faire genre. Mais ça marche pas comme ça quoi. Ok. Il passe un peu moins le temps là. Ouh. Ah, peut-être que je fasse un TP un peu plus grand. Il y a un ciel nocturne. Et il y a les oiseaux qui chantent en même temps. Pas comprendre. Je peux vous aider? Allez, on y croit. Ah bon, toujours personne. Ouais, je peux piller, hein, pas de soucis, mais... Limite, j'hésite à sauvegarder et juste piller, quoi. Peut-être qu'il faut que je pille. Peut-être qu'il faut que je pille pour que la personne qui doit piller d'habitude se dise « Mais mince, mais... » Mais y'a rien. Qu'un pied avant moi. Je pille. Pille la boîte. Mais non, je suis devenu un ennemi direct. J'ai commis un vol. Ouais, non, je veux pas commettre un vol, c'est pas le but. Dalentart, initiation terminée. Ah, Dalentart, c'est le tout début. Rigolo, ça. Ça remonte, hein. On est le 10-5, oui. Charger ça.
Tant que non. Piller n'est pas la solution. Pourquoi j'ai plein de cercles partout maintenant? Quoi cette histoire? Pas d'expérience avec les urnes. Quoi? Attraper le voleur. Moi, je veux bien attraper le voleur. Hein. Je vais peut-être chercher une autre solution. Hein. La solution que je regarde là, mis à part me dire ce que les quêtes me disent déjà, me dit pas grand chose. Et on est reparti. J'essaie de faire la quête depuis un certain moment. Il est dit qu'il faut surveiller les lieux pendant la nuit. Je suis dans la maison en mode furtif, dans les escaliers. Il faut dire que il fait nuit et j'attends, mais rien ne se passe. Donc voilà, si quelqu'un a réussi la quête, je veux bien l'astuce. Il faut surprendre le voleur à minuit. Heure dans le jeu. Aller dormir et faire défiler l'heure jusqu'à 23h, 23h30. Il faut aller au second étage et attendre le PNJ apparaît, après il n'y a plus qu'à lui parler. D'accord, donc c'est minuit pile. Dans le bâtiment, minuit pile. Il est quelle heure? 22h51. Ça passe en... On va attendre 10 secondes, on va voir combien de temps ça passe. Donc 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 5 minutes en 10 secondes. Le problème c'est que... Si je vais à l'auberge passer une heure, à mon avis, c'est trop tard déjà. Après, je peux passer 23 heures peut-être à l'auberge. Là, ça va être assez long. En tout cas, c'est bel et bien le... Bon, on va attendre. C'est bel et bien le NPC qui est censé venir du coup dans le bâtiment. Ce qui est stylé en soi, hein, parce que ça rejoint le truc RP que j'ai voulu faire au début de... Je vais là, j'attends. Puis il finira par arriver, mais... Il faut de la patience, du coup. Faut de la patience. Après, vous allez me dire, là, pour le coup, c'est vraiment RP de chez RP. Comme dans la vraie vie, quoi. Alors, tu te postes pour la nuit et tu surveilles. Il y a pas un genre de truc, une petite fonction accélérée, là. Ça serait bien, comme dans FF12. Parce que attendre quand tu sais pas combien de temps, c'est jamais le truc le plus marrant à faire. Après bon, on a internet maintenant. Ça me permet de savoir. Attendant, on peut regarder la petite décoration. Magnifique. Écoutez la petite ambiance. Petite ambiance musicale. Par contre, quand la personne arrive, mais je lui saute dessus. Allez, plus qu'un quart d'heure. Mais en temps de jeu, du coup, ça va. Trentaine de secondes, quoi. Je lirai bien les bouquins en attendant, mais le temps ne passe pas quand on va sur pause. Quand on est dans les menus, j'imagine. Ok, on y est presque. Ça y est. Bah merci à la personne qui a proposé ça. J'irai son blaze après. Que faites-vous ici? Je venais juste faire une prière de minuit. Ouais, mon gars, ouais. Oh, à quoi bon? Vous m'avez pris sur le fait. Exactement. Mais j'étais en train de voler l'argent. Ce n'est pas comme si ces idiots à Chloricon avaient besoin de cet or. Je l'utilise d'une bien meilleure façon. Et qu'est-ce que vous en faites, mon petit père? Ce n'est pas pour boire, si c'est ce que vous pensez. Je... Il y a de pauvres diables dans la plaine désolée. Tout le monde ignore que c'est moi, mais... Je leur laisse de l'or quand je le peux, près du col de fond de neige. C'est le moins que je puisse faire. Ce qui est bien. Mais... Ils veulent l'argent pour les soldats. Pour la guerre.
Et oui, la guerre c'est pas bien, elle permet aux gens de survivre, c'est bien, mais ils volent quand même l'argent des gens, quoi. J'ai envie de faire les deux, hein. J'ai envie de le dénoncer parce que ça reste bâtard de voler les gens sans qu'ils soient au courant. Et que fondamentalement j'en ai rien à faire de cette histoire. Et je ne le dirai à personne, je suis en mode ok, parce que si c'est les camps de réfugiés qu'on a vus, ça peut pas leur faire de mal. Et on a un côté roublard aussi, on va pas se mentir. Donc je suis un petit peu entre les deux, c'est vrai. Il est vrai. Après, bon, ce village, je l'aime pas particulièrement. Donc, donc c'est une option possible. Les gens méritent de savoir où vont leur argent, mais je pense que pour ce village, je ne serai pas un allié de premier choix. Non. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui a du cœur pour changer. Si je volais pour boire, il me réprimanderait sûrement. Mais s'il savait que c'était pour les réfugiés de la plaine désolée, il me jetterait en prison. Voilà le havre de Tyrin. Très bien. Du coup, on a réussi la quête ou... Pas du tout. J'ai l'impression que oui. On en a une autre. Regardez, c'est bien d'en terminer. Pour la bonne cause. Très bien. Bien fait pour leur gueule. Un retard important. Le frère Till a prêté des livres de littérature paillarde. Ah non, ça c'est les tâches, mince. Bon. Excusez-moi du peu. Ça des tâches. Mais c'est vrai que j'ai lu là que j'ai fini par contre. Je vais lui filer ce fiole. Le mec qui avait des fioles, il voulait buter des monstres pour colorier le contenu de ses fioles. Il est où? Il est là. Vu que c'est une tâche, je risque de jamais le voir. Attends, lui filer les fioles maintenant. Donc j'y pense. Tic 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 tic. Oh, un coffre. Si. Oh là là, oh là là. Ces acrobaties. Salut. Comment ça se passe? Les monstres tombent comme des mouches, j'espère. Oh oui, mon gars. Très bien. Voyons voir combien je vous dois. Et voilà, nous sommes quittes. Souhaiteriez-vous continuer à m'aider? Si tu veux, ouais. Vos fioles sont prêtes. Ah oui, d'accord. Venez lorsqu'elles auront toutes changé de couleur. Oh oui, non, c'est chiant. Payerai. N'oubliez pas. Après, c'est les tâches. Elles changeront de couleur seulement quand vous aurez tué 10 kobolds, 5 crudocs, 3 c'est bon. Et 3... Bon... C'est un peu bizarre les tâches parce qu'il y en a certaines, c'est comme des quêtes secondaires, genre tu le fais une fois et c'est bon. Genre le coup des cadavres là qu'on avait fait, qu'on avait inhumé. C'était une seule fois. Les livres, le fait de trouver les livres, à mon avis, c'est unique. Ça, on a réussi à en finir deux, donc je sais pas si c'est à l'infini ou pas. Mais par contre, les clés de prison, j'avais lu que c'était infini. Le brassard, c'est infini. Les notes, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est unique. Les urnes, j'en ai aucune idée. Mais du coup, ouais, c'est un peu bizarre. Il y a moitié des tâches, c'est des trucs infinis dont je me fiche, et moitié, c'est des quêtes secondaires qui n'ont rien à faire là-dedans, du coup. Déserteurs et voleurs. 5 groupes de nouvelles recrues ont déserté. Mais Medrigal, Fenn, ne semble pas très affecté par leur défection, plutôt. Défection. Il tient par contre à récupérer la tourbiline qu'ils ont eu l'audace d'emporter avec eux et me paiera si je lui rapporte les 5 bouteilles disparues. D'après lui, ces déserteurs doivent se cacher quelque part le long de la côte de Tywilly. Ok, on en a 3 à faire, on va faire celui-là d'abord. Dans notre village préféré. Vous ne craignez rien entre ici et Ratir, mais n'allez pas vers le sud. Bien sûr, bien sûr. On va pas vers le sud. La déesse soit avec vous.